suis pas un expert, je suis pas le meilleur, je suis ici pour avoir du plaisir. Alors, cette partie, je vais essayer de faire dans le fond les 5 défis de la journée. Si j'affiche la carte et les défis. Donc, éliminer les robots, fouiller des coffres, réussir des émissions avec des super pouvoirs, réussir des émissions plus à pompe et utiliser une tyrolienne. Pour ce faire, moi j'aime ça aller loin. Donc, je vais aller à un endroit qui s'appelle le fort. C'est plus tranquille pour commencer la partie. Donc, évidemment, j'ai remercié le chauffeur de l'autobus. Et on va sauter. Comme c'est loin, j'ouvre mon parachute en sautant. Je n'aime pas sauter directement dans la bataille. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire les défis. Évidemment, en essayant de finir premier. Ce qui, je vais être honnête avec vous, n'arrive pas très souvent. Mais c'est pas grave. J'ai quand même du plaisir. Et le but d'un jeu, c'est d'avoir du plaisir. Bon, fermer mon parachute pour descendre un peu plus vite. Pourquoi je vais au fort? Ben oui, il est loin. Aussi, c'est qu'il est facile à démolir et il donne quand même plusieurs objets pour commencer la partie. Et il y a des failles proches, ce qui me permet de revenir rapidement dans la zone sécuritaire si jamais je suis dans la tempête. Donc j'ai quand même bien réussi mon saut. J'arrive presque au pied du fort. Il n'y a pas personne pour l'instant. Donc on commence la démolition. Et en même temps, ça me permet de ramasser quelques matériaux de construction. Et voilà. Vous voyez, pour l'instant, j'ai pas un fusil à pompe. Ouais, ça m'a pas donné grand chose pour des grenades. Donc, on va dans la petite maison ici. Oui, un coffre. On va mettre mes armes à la bonne place. Donc la zone, oui, je suis quand même assez loin de la zone. Une autre situation. Donc vous voyez la faille ici. Puis
y en a un autre si je me trompe pas, mais avant de prendre l'affaire, on va aller ouvrir les petits coffres. Parce que sinon, normalement, il y a des coffres. Je dis bien normalement. On va pas bien faire un peu de matériaux. Donc voilà, j'ai quand même quelques armes, j'ai des splashes, j'ai un 12 bleu, donc je suis quand même bien organisé. Donc, on vient de tuer un adversaire de loin, on va se sauver avant que son fantôme vienne nous hanter. Une voiture ici.
reste 18 joueurs, 15 fantômes. On vient de tuer un fantôme. Douze joueurs, 15 fantômes quand même. C'est pas si tant pire comme. C'est quand même un petit peu épeurant comme atmosphère. Et voilà, je me transforme en fantôme. Oh là là! C'est très 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 dommage. Donc je vais avoir fini 9e. Donc, en fantôme, on a quelques habités, on peut crier pour se trouver du monde. Évidemment, on peut sauter. On peut aller vite et en même temps devenir invisible. Évidemment, en tant que fantôme,
Pour se soigner, il faut manger des choses. Ah, une tyrolienne ici. Donc, ça fonctionne. Et voilà, la victoire des fantômes. Merci pour votre écoute, ce fut un plaisir.